Faisant un tour à l'intérieur du pays, le député de la circonscription unique de Nkaï, Michel Bidimbu, a effectué la visite des chantiers de la municipalisation accélérée de la Bouenza. Les festivités du 15 août seront célébrées dans ce département et le constat est plutôt satisfaisant selon l'élu de peuple. Commentaire Zita Balou. Michel Bidimbu, député de la circonscription unique de Kaï, a consacré cette descente parlementaire à la visite des différents chantiers liés à la municipalisation accélérée de la Bouenza. Accompagné du sous-préfet du district de Kaï, des élus locaux de Kaï et des membres de l'antenne locale de suivi des travaux de la municipalisation accélérée dans ce district, le député est allé jeter un regard sur le site où s'exécutent les travaux de construction de l'hôtel de la sous-préfecture de Kaï avant de se rendre à l'usine Wilka en pleine réhabilitation et à l'usine de traitement d'eau d'Nkaï. Selon les ouvriers rencontrés sur ces chantiers, les travaux avancent sans entorse. Le chantier se déroule comme il se doit. Vous savez que le challenge est très important, les délais sont très courts. Le 15 août, on a validé ce challenge-là d'avoir déjà de l'huile en bouteille, des jus de fruits en bouteille et de la pâte à tartiner en pot. Ces derniers ont rassuré que ces travaux pourront être achevés dans les délais requis. Satisfait de la qualité du travail abattu sur le terrain, le député Michel Bidimbu se dit confiant. Il faut d'abord dire que c'est comblé. C'est comblé de joie. Vous savez que parmi les structures de base qui sont vraiment liées à la célébration de la fête de l'indépendance, il y a l'aéroport. C'est la porte d'entrée dans la Bouenza. Ça sera aussi la porte de sortie de la Bouenza. Donc nos amis chinois sont très avancés, ils sont en train de travailler. Ils nous rassurent que ce que vous avez vu, normalement d'ici le 31 juillet, la piste sera achevée.